Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Star Wars Jedi Fallen Order. On se retrouve pour une bonne demi-heure ensemble. N'hésitez pas à mettre la 2K 60 FPS. N'hésitez pas non plus à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, le voisin ne le fera pas pour vous, malgré ce que vous pouvez penser. Et installez-vous confortablement, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble. Vous êtes très nombreux à dire B-Boy, tes épisodes peuvent durer plus longtemps. Il faut comprendre que non, c'est pas possible en fait, parce que 30 minutes par jour à rendre en 2K, en 60 FPS et à tourner, sachant que je live 8 heures tous les soirs, ça fait une charge très lourde. Voilà, on va pas se mentir là-dessus. Donc non, je ne peux pas vraiment faire plus longtemps. Parfois, il y a des épisodes de 40-50 minutes, et dans ces cas-là, bah, c'est encore plus cool, mais 30 minutes, c'est déjà pas mal, sachant que la moyenne sur YouTube est de 10 minutes, juste pour profiter d'un max de revenus publicitaires, évidemment. Donc soyez heureux, je peux vous le dire qu'avec moi, vous pouvez être heureux d'avoir 30 minutes, clairement. Allez, on est parti. Allez, nous revoici devant le vaisseau, direction la planète Zepho. On y retourne, on y a déjà été, souvenez-vous. Et là, on doit y retourner. Est-ce que j'avais quelque chose à faire en modification? Non, je ne pense pas. Donc, direction la map monde, tout simplement. Et on retourne sur Zepho, parce qu'il nous reste un tout petit truc à vérifier là-haut. On va où tu veux, sauf sur Datomir. Je hais cet endroit. Retour sur Zepho, hein? L'Empire a peut-être trouvé un tombeau Zepho. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ouais, dommage. Un des gars de Sceaux m'a parlé d'un match à enjeu. Je me serais bien fait quelques crédits en plus. Des paris? Grise, réfléchis un peu. Un de ces jours, la nuée d'action va te tomber dessus. Ah, c'est naze! Je les verrai venir même à 3 par sec. Des paris douteux nous ont déjà causé suffisamment de problèmes avec des criminels sanguinaires. Je sais, t'as raison, t'inquiète. J'ai juste besoin d'évacuer la pression de temps en temps, tu vois? De toute façon, c'est du passé, tout ça. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Allez, direction donc... Assieds-toi, petit gars. On va bientôt se poser. Eh ben, let's go. Pour un autre tombeau. Et ce tombeau sera votre. C'est ce que je dirais au Stormtrooper, en tout cas. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Nouveau tombeau. Qui dit nouveau tombeau dit probablement nouveau pouvoir, ça pourrait être cool. Le monde natal des Zepho. Cordova a dû y passer beaucoup de temps. Cordova a passé sa vie à parcourir la galaxie pour en étudier l'histoire. Et il m'a emmené avec lui très souvent. C'était très instructif. Le passé était important pour lui? Il croyait avant tout en l'avenir. Mais l'avenir n'existe pas s'il n'y a pas de passé. Ok, alors, déjà on va faire start, ensuite personnalisation, on va récupérer un autre poncho, lequel on n'a pas vraiment utilisé, celui-ci a quasi pas été utilisé, en tout cas j'en ai pas trop le souvenir, celui-ci c'est le tout premier, on va prendre celui-ci pour changer un peu, on va prendre un BD1 qui follow le move, tout noir, tiens, tout noir ça me paraît pas mal, ça fera contraste, et pour le Mantis, on peut prendre rouge, noir, blanc. C'est des couleurs que j'apprécie et ça permet de changer un petit peu. Ok, y a quelque chose là-dedans ou pas? Ouais, sur un malentendu, on sait jamais, non? Y a rien du tout? Ok. On sait jamais, on essaye de tout fouiller. Bon, on doit trouver un temple, n'est-ce pas? Et je pense que c'est le même temple qu'on avait déjà un moment. Donc on y va. Tiens, on va repasser par ici. On va reprendre ce petit chemin qui me paraît bien sympa et bien osé. Pour être sûr qu'on fasse tout comme il se doit. Toujours pas de Stormtrooper en vue. Ouais, ouais, ça c'est de la petite. Ils ont dû partir à la recherche du tombeau. C'est tant mieux pour nous. Mais les grottes en seront remplies. Je ferai mon possible pour suivre leur déplacement. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. L'Empire ne cède pas de terrain. Je sais. Je partage ta méfiance. Faites attention, d'accord? Toi aussi. Très bien.
Tout ceci est déjà fort embêtant. Attends, j'espère qu'il parle pas du tombeau qu'on a déjà fait. C'est pas possible. C'est pas possible. On l'a déjà fait. Wouah ! Putain ! Mais arrête ! Arrête ! Ok. À toi, tu vas y passer aussi. Ok. BD, lance-moi un steam. Pas de soucis. Bon, et ben direction le tombeau. Je pense pas que ça soit un tombeau qu'on a déjà fait. Il y en a quelque chose ici. Non, on avait déjà fait ça, je crois, non? Ça, c'est totalement fait, en fait. C'est ni fait ni à refaire. Bon, on a perdu un petit peu de temps, c'est pas bien grave. Oui, je sais, B-Boy, regarde ta carte, c'est bon, calmez-vous. Calmez-vous très très vite. Très grande carte hein, qu'on a là, d'ailleurs, hein, au passage. Hein. En fait, je comprends pas. Où est mon objectif? Ah. Oh. Très bien. Faut donc que j'aille là-haut. Mais je reconnais ça. C'est la merde. Il faut que j'aille là-haut. Très bien. Eh ben écoutez, quand on se rapproche de la suite de notre objectif, eh ben on reprend le record, tout simplement. Allez, à tout de suite. Allez. Ok. Ouh. Commence à être chaud, ça. Commence à être chaud, hein. Bon. Donc le chemin, c'est bien par là. Nous allons suivre ce chemin. Déjà, de save. Oh, bah tiens, bon, on va save juste ici. Aucun problème, histoire de récupérer tous les steams. Allez. On est sur la bonne voie, étant donné qu'il y a des méchants qu'il n'y avait pas avant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai un point de compétence, mais n'oubliez pas, on essaye de garder un autre point de compétence pour prendre une capacité qui demande 2 points de compétence. Voilà, c'est mathématique. Hein. 1 plus 1 égale 2, vous avez compris. Vous n'êtes évidemment pas bête. Donc c'est par ici, c'est sûr. Alors. Ah bah oui, mais attendez. C'est par ici et... Oh, ok, c'est encore loin. Hein. C'est encore loin. Bonjour messieurs, dames. Ouais. Ah, à la crue. Évitez de finir comme ça. Restez pas sur place. Ok. Ok, désolé, excusez-moi. Il est en train. Je l'avais pas fouillé ça. Vite, attrapez-le. Hey BD, là-dedans. Ils sont sympas, hein. Ils me laissent loot. Qu'est-ce que c'est, BD? Très bien, bah d'accord. Apparemment, je l'avais pas ramassé. Ah, allez, c'est parti. Regardez en bas. S'ils nous échappent, les chefs sont tués. Oh là 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 là, excusez-moi. Excusez-moi, messieurs, dames. Des os, pas des os, comme on dit. Oh, on a encore quelque chose ici. Tiens donc. Il y a de nouvelles choses. Attendez, c'est quoi ce truc? Non, j'étais passé à côté la dernière fois, quoi. Où est-ce que vous nous emmenez? Les impériaux ont capturé les villageois. Des réfugiés effrayés, envoyés dans des camps de travail. Ou pire encore. Je l'avais déjà fait, tant mieux, hein, tant mieux, ça me gêne pas, hein. Attendez. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Totalement. Totalement sur le bon chemin, let's go. Voilà, faut juste les refaire. On se retrouve devant. Quelques petits allers-retours. Comment il a pu arriver jusqu'ici? Oh, 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 oh. Excuse-moi. Excuse-moi. Tout le monde m'excuse ici, d'accord, s'il vous plaît. C'est totalement pas ici. Allez, aucun problème. Même pas besoin de save, regardez. On va passer devant. Voilà, ça gêne personne ici, je peux te le dire, mon petit pote. Bon. C'est où maintenant? Attendez, attendez, attendez. On suit le chemin. C'est droite, droite. On y est bientôt, c'est bon ça. Incroyable. Incroyable, incroyable. Donc, encore un autre temple Zepho, mais c'est un... Enfin, encore un autre temple, tout simplement. Combien va y avoir de temples là-dedans? C'est terrible. Ok, c'est par ici. Le Jedi est là. Oh, ah, le Jedi est dangereux. Attaquez l'intrus. Oh. J'ai une ouverture. Oh. Ah. Je crois
écoute, j'ai pas le choix. Tu peux rien. Désolé. Entre nous. J'ai touché le Jedi. Ok. Bébé, ici. Ok. Ok, allez. C'est parti. Voilà. Voilà, ça dégage. Eh ben, c'était un bordel. Par contre, c'était pas très cool ce que vous m'avez fait. C'était pas très cool. J'étais pas prêt pour cet accueil, pour être honnête avec vous. Alors, c'est où? C'est cette putain de porte. Très bien. Bon, toujours tout droit encore et encore. Hop. Mais oui. Mais oui, c'est clair. De toute évidence, ce n'était pas par là. Allez, go. Ok. Oh, Sugoi. Vous avez rien vu. Attendez. Ok, ça commence à être chiant. Va falloir que tu fasses un effort, mon petit cal, hein. Parce que là, je suis à deux doigts de te caler mon poing dans la gueule. Alors, attendez. On va y arriver. Oh, non, pourquoi je veux aller là-haut, moi aussi? Putain, je provoque, là. C'est possible. Voilà. Oh là là. Ok. Ok. Je passerai jamais ta garde. On ne laissera pas faire. Ok. J'aurais peut-être pas dû le toucher. Ah. Abattez la cible. Ok. Essaye d'éviter ça. C'est pas vrai, hein. Mais... Hé, hey, BD. C'est pas vrai, mec. Mais t'es beaucoup trop chaud. Ok. Eh ben... Oh la vache, laissez-moi tranquille. Bon, on va y arriver. Oh putain, désolé les gars, mais là c'était tendu. Eh ben c'est tout simplement par là-haut. C'est tout simplement là-haut. On y est, ça y est. On va découvrir ce nouveau temple. Et le faire aussi, de toute évidence. Je pense qu'il va y avoir des mecs encore plus chauds là-dedans. Allez, pirate. Tu peux le faire, BD. Ah ouais, je pouvais pas pirater avant, bah oui. Incroyable. Hey, BD. Allons voir. Au travail, BD. Menace envers. Je voulais juste lui faire un petit effet de surprise. Allez, attaque-le. Liquidez-le. Eh ben, on se calme, hein, messieurs, dames, hein. Terrible. Rien de plus simple, pas vrai? Oh. Ok, très bien. Tu t'amuses bien, BD? Ça. Ah. Ok, il peut pas être appelé ici pour l'instant. Et ben voilà, regardez, c'est beau ça, c'est quoi? Hein, je veux vous entendre. C'est tout simplement un écho. Un écho qui fait extrêmement plaisir, on adore les échos. Ne vous préoccupez pas d'un artefact manquant. Je m'en chargerai moi-même. Oh, Crane est passé par ici. Très bien. Vous savez quoi? J'ai une idée de ouf. On va save. Ils vont réapparaître. On va les redézinguer rapidement. Et on aura nos deux points de compétence. Ça, c'est incroyable. Allez, c'est parti. On va essayer de pas perdre de vie. On va être pas mal. Allez. Hey, à la feuille. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un bordel, là. Aidez-moi. Et ben voilà. Eh, je vous avais dit quoi? En plus, on a perdu très peu de vie pour le coup. Allez,
Go, j'ai hâte de me déverrouiller un peu son gros pouvoir là. Deux points de compétence, c'est clairement pas rien. Et là, ils vont pas réapparaître, donc c'est plutôt cool. C'est ce qui s'appelle jouer avec le cerveau, évidemment, avoir un petit peu de brain. Très bien, bon. Deux points de compétence. Cal peut effectuer une autre attaque puissante après une frappe haute, c'est pas mal du tout. Mais c'est pas ça que je voulais. Une attaque aérienne qui permet à Cal de repousser les ennemis proches lorsqu'il atterrit. Bon, en fait, je voulais quoi? Ah, c'était ça. En chargeant le ralentissement, Cal peut ralentir toutes les cibles proches, augmente la durée. Très bien, c'était ça. Ralentir tout le monde d'un coup. Oh là là, ça c'est incroyable. Ça, tu vas avec le double sabre, c'est un régal. C'est un régal pour les papilles. Oh putain, on est très 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 bien. On continue, évidemment. On va s'arrêter là. Bon, c'est bon chemin tout de même. Ok, donc l'ascenseur, on ne peut pas l'appeler. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'ici, on peut faire quelque chose? Non. Est-ce qu'ici, on peut faire quelque chose? Je suppose que non. Voilà. Je sais jamais si on peut pirater pour accélérer le truc ou non. Ici, c'est fermé. Ok, ok. Bonjour, messieurs, dames. C'est par ici. Toujours un plaisir. Hein. Par contre, chaque épisode record sur ce jeu, je me délecte. J'adore. Tu connais des blagues, BD? Je sais pas. Pourquoi? Classique. Ouais, c'est vrai que... C'est vrai que c'est un classique, ça. C'est totalement un classique. Ok, très bien. Là, y'a rien. Allez, go, c'est parti. Et ben voilà. Aucun souci. Quelqu'un stressé pendant une seconde ou pas? Il doit bien y avoir des informations sur les fouilles à l'intérieur. Tu es toujours aussi optimiste. Merci, BD. Ça se trouve, c'est sur une autre planète encore. Oh là. Oh, ça sent pas bon, ça, si. Bon, il est tout seul. Ok, attends, c'est peut-être le moment. Oh, la calotte de ses morts. Ok. Oh. Oh là. Eh ouais, mon gars. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, c'était dommage. Voilà. Bon, attends. Tu lâches là tes pieds, c'est de la triche. Ok. Eh, on n'a pas galère. En vrai, franchement. Tu veux bien m'aider? Ça va de ouf. C'est beaucoup mieux, BD. Vous sentez qu'on a galère, vous? Moi, zéro galère. Je me suis dit, vu la taille du bordel, ça va être beaucoup plus chaud. Mais non. Que nenni. Que nenni, que nenni. Ok, bonjour, messieurs, dames. Oh, ça, ça me rappelle un peu la menace fantôme, ça, tu vois. Des barrières comme ça qui t'empêchent de passer. Dark Maul, évidemment, qu'on adore. Il lui fait des bisous, on l'embrasse, on sait qu'il nous regarde. Il adore cette série. Oh, 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 oh. Oh, ça sent la douillasse, ça, des grands couloirs comme ça. J'aime pas beaucoup ça. Très bien. Ah, on a quelque chose à pousser, ok. Skungus, plante intelligente, bouton explosive. Ça dit qu'elles sont stables. Du moment qu'on fait gaffe et qu'on reste à l'écart, ça ira. Ah, ça dit aussi que... Jedi, en formation. Ok. Excusez-moi, hein, messieurs. Hein. Je ne fais que passer. On fouille vraiment tout pour le coup. Allez, pirates, pour ça. Il faut qu'on arrive à passer. On va y arriver sans aucun souci. On a quoi? Non! Oh oh oh, t'y as cru, hein? C'est juste un raccourci, ça met nous. Ouais. Bizarre un peu ce raccourci, non? Je te vois, Jedi. Ok, donc c'est une source de propre laser. Continuez vraiment.
Oh, très très fort ça. Tu vas souffrir. Je n'ai rien sans lui. Non! Je te vaincrai. Aide-moi s'il te plaît. Tu ne m'entends pas. Et ben voilà. Visiteur débarque. Il est chaud lui hein. C'est possible, mais on est loin de Braca. Il pense peut-être que les Purge Troopers suffiront. Les ou alors Purge il s'agit Troopers. D'un piège. Reste sur tes gardes. Ok. Il est chaud de ouf hein. Ok. Aucun signe du tombeau? Non. Et l'Empire attendez, a renforcé je tombe la des sécurité. Trucs déjà, c'est pas mal. Reste concentré. Fais attention à lui, BD. D'accord. On continue. Ah! On verra plus tard. On verra plus tard. Oh merde, c'est de l'autre côté. Crotte alors. Vraiment pas de bol. J'ai eu très très chaud. J'ai eu très 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 chaud. Bon, on va voir juste ce qu'il y avait derrière parce qu'on avait un ascenseur. On avait de quoi glisser. Donc il se passe beaucoup de choses, pardon. Je voulais juste la carte. Ouais, ça m'emmène où? Ok, ça m'emmène au tombeau. Donc là, il y a forcément... L'ascenseur m'emmène quelque part. Ah, ben oui, mais non, mais je sais où il m'emmène. Regardez. Je suis un Jedi, vous inquiétez pas. Ben oui, putain. Oh, merde. Crotte, alors. Fais chier. Y'a rien qui va. Reviens. Non, là, il va revenir, hein. Voilà, c'est bon. Ok, c'est ça le raccourci débloqué, c'était pas la porte, très bien. Donc j'étais obligé de passer par là, tant mieux. Hop, faut réactionner le bouton. Allez! On est bon. Bon, bah direction le temple, et on s'arrêtera devant, ou dedans, on verra. On verra le temps qu'il va me falloir, sachant que j'ai qu'un steam, ça c'est plutôt embêtant. Et il était chiant hein, à battre, hein. Il bougeait bien, il avait des bons moves le gars. Là vous savez que le temple a été cramé par l'Empire. Donc forcément, je m'attends à voir des Stormtroopers dans le temple. Ça risque d'être un peu chiant. Qu'est-ce qu'on a? Rien. Allez, let's go. Oh bah ça va. C'est très mignon. Allez go. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, ne bougez pas. BD1 va nous en dire un tout petit peu plus dans quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe, mon BD? Qu'est-ce que tu as vu? Un signe? Non, même pas. Ok, très bien, j'étais persuadé qu'il avait vu un truc sur le mur. Oh, c'est beau, ça. Site du crash. Ouais, mais attends, c'est quoi là le projet? Je saute? Vous voyez ce destroyer stellaire? C'est un Venator. Il contient peut-être des informations utiles. Je vais essayer de l'atteindre. Oh, vous l'avez vu, le gros? D'accord, ok, fallait juste sauter. Y a pas une petite grotte en dessous? C'est souvent ça dans les jeux vidéo, hein. On la connaît, hein. El Famoso. Oh la vache. Lui, il est un peu plus baraque que les autres, non? Ça pousse à la salle par ici, hein. Attendez, on a quelque chose ici. Un écho, je prends. Oh, il y a des têtes de Stormtroopers, excellent ça. Les villageois ont érigé un mémorial pour les clones du Venator. T'as vu? On dirait que l'Empire n'est pas notre seul problème. Ok, je sais pas du tout ça mène. Tout n'est que découverte. On reçoit un maximum d'écho. Ce tunnel s'est soudain rempli d'eau. Qu'est-ce qui a pu causer ça? Des gros problèmes? Ok, ils sont morts noyés, très bien. Et alors, âme? D'accord. Il y a comme une vieille odeur d'huile. Ok, pirate. Mais non, ça. BD, pas toi. C'est cette eau. D'accord, on peut encore méditer. Ah mais là c'est trop là, il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Je crois que je suis sur le bon chemin du premier coup. Hop, tout le monde est mort, ça dégage.
Un effondrement l'a tué. Les fouilles effectuées par l'Empire fragilisent ces tunnels. T'énerve pas comme ça. Bon, on va saigner. Ne vous inquiétez pas, on va pas se soigner, on en a pas besoin. C'est juste que comme vous pouvez le voir avec le petit logo en bas à droite, ça save, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit frère? Quelque chose d'intéressant? Oh. Porte, on ne peut pas. Et là, on a quelque chose. Ok. Jusqu'ici, ça va. On survit. Voilà. Vas-y, tue-le pour moi, frérot. Hein. Bon, attends. Voilà, c'est comme ça. Je t'aide un peu. Allez, dégage. Bon. Il y a de belles bêtes ici. Hein. Ah, ça me paraît bien grand. Oh, bien joué ça. Je croyais qu'il était mort. Très bien. Oh, il va se passer quelque chose. Ça va s'effondrer, je connais bien ça. Les calottes glaciaires, réchauffement climatique, ça je connais. Oh, ça paraît tellement grand ce qu'il y a à faire ici. Ok, on va passer par là. Bonjour madame. Ah ! Oh putain ! Oh le screamer ! Bande de fous ! Ça va, je suis un Jedi, j'ai peur de rien. Il m'emmène où ? Ça va s'ouvrir par là, je suppose. C'est très long. Un raccourci, peut-être. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ça fait long, là. Hein. Steam BD. Que c'est que ces conneries? C'est par là? D'accord. Mais je suis où? Joli. Ah, super. J'ai compris, BD. Fais-moi voir. D'accord. Après tout ce qu'on a vécu ensemble? Et comment? Bah... Allez, go. Ok. Ok. Compliqué, ça, hein. Hop. Nous, on resserre la caisse départ. Yo, les gars. Vous allez bien ou quoi? Bon, bah, très bien. C'était très sympa, ce petit tour gratuit. On a fait le boucle. Mais bon, on a déverrouillé un raccourci. C'est pas mal. Je suppose qu'on reviendra donc là. À la fin du donjon. On va passer par ici. Hop. Allez, prochain point de méditation, on s'arrête là. Et ben voilà, il est mort. Il est totalement mort et il s'est envolé. Très chaud. Il est impossible de l'atteindre. Oh, bien joué. Ça dégage. Encore un nouveau, ça, non? Non, on avait. Non. On en avait déjà emprunté un, je crois. Ok, pirate-moi ça. Allez, régale-moi. Une petite couleur sabre laser, ça ferait plaisir. Depuis le temps. Oui, voyons voir ça. Nouveau matériau pour sabre laser. Oh là là, je veux une couleur, les gars, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Cette fois-ci, j'ai plus peur, je connais. J'adore le sortir pour rien. J'adore. C'est juste excitant, en fait.
Je peux le refaire. Vous aimez bien? Je peux même le faire en version double. Ah, vous avez vu qu'en version double, il le sort de la main gauche. Bien. Alors. Oh, mais c'est pas vrai. J'ai vraiment pas de bol. J'ai vraiment pas de bol. Bon, allez, on va s'arrêter là. Bah oui, mais putain, c'est des casse-têtes partout là-dedans. On va s'arrêter là, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Évidemment, bientôt un point de compétence, ça c'est plutôt cool. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bisous, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.